confondu avec Cyril Hanouna, cet homme vit l'enfer depuis 8 mois. Ce mardi soir dans Touche pas à mon poste, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Cyril, un homme qui se fait attaquer régulièrement à la place de Cyril Hanouna. L'animateur de C8 a raconté que ce garçon sans histoire vivait, c'est-à-dire depuis qu'il a changé de numéro de téléphone. C'est une histoire de fou, raconte aujourd'hui Cyril à nos confrères. J'ai demandé à un ami qui travaille avec plusieurs opérateurs téléphoniques de m'aider à avoir un numéro facile à retenir. Il a réussi à m'obtenir un numéro de téléphone qui comporte plusieurs fois le nombre 16. J'étais très content car je suis né le 16 janvier et c'est facile à retenir. Hélas, il a vite déchanté. En mettant sa nouvelle carte SIM dans son téléphone, Cyril s'est très vite rendu compte que le numéro appartenait auparavant à un animateur très connu là. Surprise, je commence à recevoir des centaines de textos et appels destinés à Cyril Hanouna / Plutôt que de changer de numéro, Cyril a décidé d'aller à la rencontre de l'animateur, qu'il connaissait de vue car il travaille dans le milieu de la nuit par ailleurs, son père était à l'école avec mon père, précise-t-il. Mais je ne le connaissais pas plus que ça. En revanche, j'ai un ami dans la police qui s'appelle Jeff et qui le connaît bien. Je lui ai donc demandé de me mettre en contact avec lui. Cyril a fini par s'entretenir avec Cyril Hanouna dans les loges de Touche pas à mon poste. Il a convenu que je lui transmettrai les messages importants, à lui et à son assistant, Loïc, explique-t-il. C'est incroyable, le nombre de messages de journalistes ou de stars qu'il reçoit encore sur cet ancien numéro / Il y a quelques jours, j'ai eu par exemple un message de Michel Larocque pour la bonne année. Jean-Marie Bigard l'a également contacté il y a peu. Malheureusement pour lui, il n'y a pas que des messages sympathiques. L'enfer qu'a évoqué Cyril Hanouna sur C8, ce sont les insultes envoyées régulièrement sur ce numéro, encore attribuées par certains à l'animateur controversé. Ces derniers temps, le pauvre Cyril a dû notamment subir, en colère contre le boss de TPMP. C'est la raison pour laquelle il est venu mettre les choses au clair devant les caméras, en espérant que les insultes cessent et…